chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. J'ai chié sur toi, Olivier. J'ai pissé sur toi, Elise. Tu ne représentes plus rien chez les écarts. Yes. C'est moi, Sandra, qui te dis ça. Aujourd'hui, là, à partir d'aujourd'hui, le flambeau que les écarts t'ont donné, c'est moi qui prends ça. Dégage. Ouais, venez. Au jour d'aujourd'hui, là, tu es ici. Tu es ici. Sans, moi, Sandra, je te dis que tu es ici, là. Tu es ici. Ounera, tu es ici, là. Et tu même ma bouche là a plus d'importance à mes yeux aujourd'hui que toi. Tais-toi, mort. Tu es ici. C'est ici que tu es. Tu es là. Tu es là comme ça. Au jour d'aujourd'hui, là, je pisse sur toi. Je pisse sur toi comme ça. Je chie sur toi. Je pisse sur toi, Elise. Tu ne représentes plus rien chez les écarts. C'est moi, Sandra, qui te dis ça. Aujourd'hui, là, à partir d'aujourd'hui, le flambeau que les écarts t'ont donné, c'est moi qui prends ça. C'est mon directo, je veux avoir mon téléphone, c'est mon direct, je veux avoir mon iPhone. C'est mon directo, je veux avoir mon téléphone, c'est mon direct, je veux avoir mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, pour mon lecteur. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît. Tu as compris, non? Tu es venu sur Meta, tu as tapé la bouche. On croyait que tu étais quelque chose. Tu n'as pas honte, tu te lèves le matin, tu prends ton téléphone, tu composes le numéro de qui? Tu composes le numéro de qui? Elise, tu composes le numéro de qui? Donc où est Satan? Celle-là qui est venue s'asseoir à Mondovision, humilier notre beau frère. Tu penses que c'est normal? Tu crois que c'est normal, Elise? Tu crois que c'est normal? Tu nous fais honte. La famille est quand même dit aujourd'hui que tu nous as fait honte. Je dis que tu dois sortir. Je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus bien chez les écarts. Je te dis que c'est moi. Tu es détrôné. Même à Kaona, là, tu es détrôné chez les écarts. Moi, Sandra, je prends le flambeau. Je te dis que c'est moi qui va porter le flambeau, là. Tu as compris? Je porte le flambeau, là. Tu étais à côté de papa de mon coup. Tu étais là-bas pour quoi? Tu sais comment les écarts comptent sur toi? Et tu fais quoi, Elise? Elise, Wabodé, Wabodé, Gamze. Tu n'es pas à ce niveau-là. Tu es obligé. Nous, Macarona, tu as dit. Maniaque, 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 toujours des histoires de saleté. Au sauf ton domicile. Je vais te dire tes vérités, Elise. Et je ne passerai pas par quatre chemins pour te dire ce que moi, Sandra, je pense. Et je vais te dire ça, Roha. Voilà. Les gens vont dire que pourquoi je ne t'ai pas appelé au téléphone. Je ne pouvais pas t'appeler au téléphone. Tu sais pourquoi je ne pouvais pas t'appeler au téléphone? Tout simplement parce que la personne chez qui tu es parti supplier l'amitié. Vous avez parlé, vous étiez deux. Mais la personne est venue s'asseoir à Mondovision. Pour venir nous faire comprendre que c'est toi l'Onchinda. Tout est gâté. Mais c'est Veuve Joyeuse que tu traites souvent d'Onchinda. Mais non, Veuve Joyeuse, elle, quand elle fait, c'est à Mondovision. Tout le monde voit. Mais toi, tu es parti, bac. Tu n'es pas venu à Mondovision. Il fallait que tu viennes. Tu savais bien que Ngoué Satan allait faire le direct. Et elle allait dire que tu es parti l'appeler. Et qu'elle n'a pas répondu. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'elle le dit, hein. Elle dit que tu l'as appelé. Mais elle n'a pas répondu. Mais vous avez parlé par message. Oh, Ngoué Satan, je t'aime. Tu as bien fait de venir nous dire ça. Parce que peut-être nous, on allait rester comme ça là. On n'allait jamais être au courant que Elise est venue supplier l'amitié. Barbac. Derrière. Mama. Elise, elle me met tourbillon. Hein? Elle me met tourbillon. Hey! Elise, prends le tabouret. J'ai besoin de 50 personnes. Partagez encore. Il manque 3 personnes. Je commence. Partagez d'abord. S'il vous plaît. Partagez. La déception pour moi, elle est énorme. Mama. Elle est énorme. Mama. Elise Battante, tu n'as pas honte. Je m'interroge. Tu as dessus tout le monde. Si je mens, je me punis. Tout le monde qui était dans le direct là, Elise, tu nous as dessus. Si je mens, je me punis. Moi, je n'écoute pas souvent les directs d'Ongwe Satan. Mais, comme par hasard, je suis allé écouter son direct aujourd'hui. Et quand elle a fini de parler de toi, ouais, je suis resté comme ça là. J'ai dit que, attends, c'est même Elise Battante, c'est ma Mojang à moi, ou c'est une autre Elise? Ça va péter. Je croyais que c'était une autre Elise. Mais quand j'ai commencé à voir les commentaires, ceux qui t'insultaient, que tu es Nchinda, que tu es reparti demander l'amitié après avoir insulté Ngoué Satan. Tu es reparti, barabak, demander l'amitié. Donc, Elise, je vais te dire tes vérités. Elise, tu sais, chez nous, les écans t'ont mis ici, en haut. Oui. Il n'y a même pas 2 jours, j'étais dans ton direct. Je te disais que non, maman Jean, tu mérites d'être aux omelettes des femmes. Oui, Lily. Ah bon? Et pourquoi?
parce que tu portes le flambeau des écans. Mm-hmm. Et je n'ai pas compris ta sortie que tu as fait l'autre jour. Je t'ai même écrit. J'ai dit que non, mon chien, tu ne peux pas dire que les gens s'acharnent sur Ngwe Satan. Étant donné que Ngwe Satan aussi s'est assise sur Nathalie Nkoua pendant des années et des années. Et toi, tu trouves que la reine mère bio, ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas bien. Parce qu'elle est assise sur Ngwe Satan. Et toi, ça ne te plaît pas. Et tu as fait ta sortie. Tu as le droit de faire ta sortie. Mais laisse aussi la reine mère bio se libérer le nombre d'années qu'elle a besoin. Parce que Ngwe Satan, lorsqu'elle s'est assise sur Nathalie Nkoua, elle est restée sur Nathalie Nkoua pendant des années et des années. Elle était sur elle. Yes! Et personne n'est sorti pour dire quoi que ce soit. Pour dire quoi que ce soit. Oui, oui, nous sommes les écans de la reine viscérale. Oui, oui, moi-même, je suis une écan de la reine viscérale. Élise, tu as oublié ce que cette fille a dit de toi. Tu as oublié ce que cette fille a dénigré ton mari, dénigré même ta maison, là où tu vis. Mais Élise, pourquoi tu as la mémoire aussi courte? Et tu pars, tu l'appelles. Elle a dit qu'elle ne t'a pas répondu. Que quand tu as appelé, elle n'a pas détouché au téléphone. C'est ce qu'elle a dit. Attends, moi, je vais te répéter ces mots. Ces mots qu'elle a eu à dire. Peut-être que toi, tu n'étais pas là-bas dans le direct là. Moi, je te répète ces dires. Tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit que tu l'as appelée. Et quand tu l'as appelée, elle n'a pas décroché. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est la vérité. Elle a dit que tu l'as appelée et qu'elle ne t'a pas répondu au téléphone. Et que vous vous êtes parlé sur message et que tu as demandé que tu as besoin, tu as envie de la soutenir par rapport à sa soirée. Tu as demandé à soutenir. Et que, non, elle a d'abord dit ceci. Elle a dit qu'elle te remercie d'abord par rapport à ton direct. Oui, oui. Il ne faut pas qu'il saute les étapes. Elle a dit qu'elle te remercie par rapport à ton direct, la sortie que tu as fait avant-hier. Qu'elle te remercie déjà pour ça. Et elle a dit ceci. Que tu l'as appelée, elle n'a pas décroché. Elle n'a pas répondu. Et puis tu l'as envoyé un message. Et que vous vous êtes parlé par message. Et que pour finir, tu as demandé si tu peux assister à la soirée. Donc, en gros, ce que moi j'ai déduit, c'est que tu as fait la vidéo que tu as eu à faire, le direct que tu as fait avant-hier. C'était une façon que tu préparais ton terrain. Parce que tu ne savais pas comment t'y prendre. Et tu t'es donc mise à préparer ton terrain pour aller demander l'amitié de la soirée. Mais quand c'est Mojang qui fait ça, toi tu vois que Mojang fait mal. Tu vois que Mojang est Nchinda. Quand c'est Ngosa, tu dis que Ngosa est Nchinda. Mais toi-même tu es Nchinda, Elise. Toi-même tu es Nchinda. Quoi? Une femme qui t'a lavé à Mondo Vision, une femme qui t'a rincé, une femme qui a rincé ton mari, une femme qui a rincé ta maison. Tu parles de quoi là? Tu supplies jusqu'à tu appelles. Tu appelles qui? Où est Satan à ton niveau? Où est Satan à ton niveau, Elise? Pourquoi tu t'es rabaissé? Pourquoi tu es tombé aussi bas? Pourquoi tu t'es rabaissé à ce point? Tu avais besoin de te rabaisser à ce point? Hein? Tu avais besoin de te rabaisser à ce point? Tu as vu comment elle est venue t'humilier? Elle t'a tapé, c'est comme ça, en direct. Parce que toi, tu n'es pas sorti. Hein? Quand tu es parti appeler, tu n'es pas venu à Mondo Vision ici. Pour venir nous dire que, oh, vous savez quoi, j'ai appelé Ngwe Satan. Non, tu n'as pas fait ça. Tu croyais que ça allait rester derrière. Mais ce que tu as oublié, c'est qu'avec Ngwe Satan, il n'y a rien qui reste derrière. Tout est exposé à Mondo Vision. Elise, tout est exposé à Mondo Vision. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? C'est avec les oreilles, Elise. Parce que quand tu es parti demander l'amitié, tu es parti supplier, tu es parti faire le Nchinda. Tu es parti faire l'Nchinda que tu es. Tu es parti. Tu croyais qu'elle allait fermer sa bouche. Je m'interroge. Tu croyais qu'elle allait fermer sa bouche. Elle n'a pas fermé la bouche. Elle est venue à Mondo Vision dire que tu l'as appelée et qu'elle n'a pas répondu. Donc tu l'as appelée, Elise. Donc tu fais souvent semblant d'être forte. Tu mets ta comme ça là. Alors que barbac, tu supplies les amitiés. Alors que barbac, tu appelles les gens derrière. Ça, c'est quel genre de honte que tu nous as foutu ce soir là. Je m'interroge. À cause de toi, je ne vais pas dormir. À cause de toi, je ne vais pas dormir ce soir. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tu m'as foutu la honte, Elise. J'avais tellement confiance en toi. Je te prenais pour moi. Tu étais ici. Tu étais en haut. Tu étais en haut comme le RDPC. Pour moi. Je te dis que pour moi. Au jour d'aujourd'hui, là, tu es ici. Tu es ici. Sans moi, sans grâce, je te dis que tu es ici, là. Tu es ici. Tu es ici. Ou ne pas, tu es ici, là. Tu es comme... Je te dis que même ma babouche, là, a plus d'importance à mes yeux aujourd'hui que toi. Tu es ici. C'est ici que tu es. Tu es là. Tu es là comme ça. Au jour d'aujourd'hui là. J'ai pas. Je pisse sur toi. Je pisse sur toi comme ça. Je chie sur toi. Je pisse sur toi, Elise. Tu ne représentes plus rien chez les écans. C'est moi Sandra qui te dis ça. Aujourd'hui là, à partir d'aujourd'hui, le flambeau que les écans t'ont donné, c'est moi qui prends ça. Tu as compris, non? Tu es venu sur Meta. Tu as tapé la bouche. On croyait que tu étais quelque chose. Tu n'as pas honte. Tu te lèves le matin. Tu prends ton téléphone. Tu composes le numéro de qui? Tu composes le numéro de qui? Elise, tu composes le numéro de qui? De Ngwe Satan. Celle-là qui est venue s'asseoir à Mondo Vision. Humilier notre beau-frère.
Tu penses que c'est normal? Tu crois que c'est normal, Élise? Tu crois que c'est normal? Tu nous fais honte. La famille est en train de dire aujourd'hui que tu nous as fait honte. Je dis que tu dois sortir. Je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus rien chez les Écams. Je te dis que c'est moi. Tu es détrôné. Maman Carona là, tu es détrôné chez les Écams. Moi, Sangra, je prends le flambeau. Je te dis que c'est moi qui va porter le flambeau là. Tu as compris? Je porte le flambeau là. Tu étais à côté de papa de Gungu. Tu étais là-bas pour quoi? Tu sais comment les Écams comptent sur toi? Et tu fais quoi, Élise? Élise, vous avez dit, vous avez dit, vous êtes obligé, 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 je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque? Sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du Victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodely la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui con? Toi c'est qui? Tu es qui? Maman sous Québec, ce n'est pas un flash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le tien sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un flash. Et tu aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Maman YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Maman YouTube, fais le direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct.